Minute Lambano. La parole de Dieu nous dit, dans le 4e chapitre du livre de Job, verset 4, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui plièrent. Je déclare au nom puissant, précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus, qu'en ce jour, le Dieu du ciel, celui qui est élevé en dignité, en grandeur et en autorité, celui-là te relève, toi qui chancelais, celui-là affermit tes genoux, toi dont la force pliait, toi dont les projets pliaient, toi dont les opportunités pliaient. Il redresse tes opportunités, il redresse tes projets, il relève ta force. En ce jour, tu auras la force d'avancer. En ce jour, oui, tu auras la force pour marcher sur le chemin qu'il a tracé pour toi. En ce jour, sa force te pousse à avancer. Sa force te donne de saisir ce qui est à toi. Sa force te donne de marcher dans ses pas et de marcher sur ton territoire. Sa force te donne, oui, de récupérer ce qui t'a été volé. Je déclare qu'en ce jour, Dieu te précède et sa force, oui, te donne de marcher dans ton héritage. C'est une journée où toi-même, par tes paroles, tu vas aussi relever ceux qui chancellent. Que toi-même, par tes paroles, tu vas affermir tous ceux qui étaient abattus, tous ceux qui étaient prêts à abandonner. En ce jour, Dieu te donne la force. Je le déclare et cela s'accomplit totalement, pleinement, dans le nom précieux de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Et tout cela pour la gloire de notre Père Céleste. Et avec moi, tu Lambano en disant un puissant Amen. Bonne journée à toi.